Bonjour, c'est Fabien du Studio de la Forme. Je vous présente l'exercice de la semaine. Toutes les semaines, je vais essayer de vous présenter un petit exercice, un exercice que l'on fait eh bien, au quotidien ici au studio. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à faire cet exercice avec moi. Prenez votre tapis, placez-vous sur le côté et ensuite sur le dos. Hop, on va commencer par un petit échauffement avec un classique, la centaine. Les pieds au sol à une distance confortable des fesses. On vérifie qu'on a bien notre creux lombaire, c'est-à-dire la courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Okay, on serre la ceinture 3 crans, on engage le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On vient placer les deux mains au-dessus des épaules, on décolle les deux épaules, la tête, on amène les bras de part et d'autre des cuisses, on allonge bien la nuque, centaine, battement de bras, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5 battements, et on expire, 5 battements également. On inspire par le nez et on expire par le fond de la gorge. Encore. Continuez ce mouvement. Votre objectif, c'est d'être dynamique hein, au niveau de ce battement pour pouvoir garder le creux lombaire. Si à un moment donné, vous plaquez le bas du dos au sol, si à un moment donné, vous creusez plus au niveau du dos, eh bien vous stoppez l'exercice et vous le reprenez. On est dynamique au niveau des bras. L'objectif, c'est de maintenir le gainage au niveau du centre du corps. Encore. On continue. Option. Bien sûr, si ça travaille trop un peu au niveau de la nuque, vous pouvez poser la tête au sol. Vous y restez une respiration et puis vous redressez. Dernière respiration. Inspire, plus dynamique au niveau des bras. Et expire. On souffle et on repose les deux épaules, les bras et la tête. Chaise renversée. On décolle pied droit, pied gauche. Les genoux au-dessus des hanches, chevilles alignées avec les genoux. Les deux mains au-dessus des épaules. On garde toujours son creux lombaire. On décolle les deux épaules, la tête, on amène les bras de part et d'autre des cuisses. On inspire. Prochaine expiration, vous allez allonger la jambe droite vers l'avant, allonger les bras vers l'arrière. Et inspire, on revient. Expire, on allonge. Et inspire, on revient. Expire, et inspire, on revient. Allongez bien les bras, allongez votre jambe. Vérifiez que quand on bouge la jambe, quand on bouge les bras, que l'on ne bouge pas par contre, hop, le centre du corps. Le centre du corps ne bouge pas. On garde toujours bien le creux lombaire et l'engagement du plancher pelvien. L'engagement du plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. Encore. On accélère un peu le mouvement. Option, vous pouvez reposer la tête. Hop, quand vous allongez le bras et la jambe. Mais vous relevez la tête et les deux épaules quand vous revenez en position de départ. Dernière fois, droite et gauche. Parfait. On repose pied droit, pied gauche au sol. On repose la tête. On replace les deux mains au-dessus des épaules. On décolle les deux épaules, la tête. Hop, c'est parti. Mouvement de bras. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. On décolle pied droit, pied gauche, genoux au-dessus des hanches, chevilles alignées avec les genoux, les deux mains, hop, au-dessus des épaules. On décolle les deux épaules, la tête, on replace les bras de part et d'autre des cuisses, on n'a toujours pas plaqué le bas du dos au sol. Inspire, expire, on allonge une jambe, on allonge les bras et on revient, expire. Vous vous en doutez, j'ai un niveau 2, j'ai toujours un niveau 2 en poche, niveau 2, vous allongez les deux jambes et on revient, expire, et inspire, on revient, souffle. Encore deux fois, une fois droite, une fois gauche, ou bien sûr, encore deux fois avec les deux jambes tendues, on ramène, on repose pied droit et pied gauche au sol. Parfait. Allez, on pivote sur le côté. On se redresse, c'est une petite combinaison que vous pouvez faire très bien le matin au lever ou alors le soir en rentrant du travail, ça prend 5 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice, vous avez une zone de commentaires située sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt, c'était Fabien du Studio de la Forme. Ciao, ciao.